Hey, salut tout le monde, c'est Arcon, comment allez-vous les amis? Écoutez, moi je vais merveilleusement bien, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode du Top 10 Guest. Et aujourd'hui les amis, l'invité du jour, comme je l'avais annoncé dans le précédent épisode, c'est Sylvester Stallone. Salut l'ami. Sympa, merci. Je vois que t'as l'air assez ravi d'être invité, ça fait plaisir, je pense qu'il y aura malgré tout des jaloux parmi tes camarades. Alors, comment ça va? Jusque-là, ça allait bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Pareil qu'il y a une fête en ville. Oui, mais c'est pour moi. Il a toujours été un peu égoïste. Oui, c'est vrai. Merci. Les gars, vous battez pas, peut-être que vous aussi un jour vous apparaîtrez dans le top 10 guest. Enfin ça dépend pas que de moi. Enfin bref les amis, n'hésitez pas à m'envoyer tous vos clips pour le prochain top 10 guest. Donc qui sera comme d'habitude, envoyez-moi tous vos clips lol, what the fuck, fail sur n'importe quel jeu. Et votez pour le prochain invité. D'ailleurs, moi je cherche un invité un peu comme moi, tout ça, qui a pas beaucoup d'amis. Voilà, un mec qui a pas beaucoup d'amis si vous connaissez. Moi j'ai pas d'amis. Et je vais pas aller tout seul risquer ma peau d'âne. Et attends une minute, j'ai une super idée, je reste avec toi. Bon bah écoute Lan, allez ça me fait plaisir, vas-y viens si tu veux. Peut-être que si les abonnés te sélectionnent, tu seras dans le prochain top 10 guest. Voilà, on va pouvoir commencer Stallone. Et par contre, oh la vache, la taille de ses bras, ça fait mon ventre. À la 10ème place avec Vince Denis sur Forza 5, on commence gentiment avec un mec qui galère avec sa voiture à se remettre droit. C'est assez handicapant au quotidien, je pense. Désespérant. Les amis, je suis sûr que vous avez toujours rêvé de voir un cerf sur une fusée sur World of Warcraft. Je sais que je l'ai mal prononcé, aujourd'hui les amis, je vais réaliser votre rêve. Est-ce que tu te fous de ma gueule? Oh non, petit Stallone, me fous pas de ta gueule. Admire, ça fait waouh, enfin c'est incroyable. Cet engin est bon pour aller au musée. Bah écoute, on va appeler le Louvre, hein, à côté de la Joconde. Ça n'a rien à voir. Ouais. À la 8ème place sur Assassin's Creed, Ilkumu va nous montrer en fait que tout simplement son ennemi met plus longtemps à mourir. C'est l'agonie la plus longue au monde. Barrez-vous, charognard. Voilà, t'as un message à dire à Ilkumu? Allez, ça va, tu l'as eu, on se barre. T'es costaud, toi. Ah, je pense que ça lui fera plaisir, mais c'est vrai qu'il prend plaisir à le regarder mourir. C'est pas très sympa, pas du tout même. À la 7ème place sur Assassin's Creed, j'ai eu du mal à le prononcer, Red TK, putain mais alors lui aussi j'ai eu du mal à le prononcer, il va nous montrer un what the fuck, un peu un bug, genre il est dans un bateau, enfin je trouve de toute façon le jeu vidéo ça part un peu en couille, c'est un peu n'importe quoi. T'as fini de te plaindre? Non mais c'est vrai, regarde-moi ça, c'est dégueulasse et on a payé 70€ ce jeu. T'es vraiment un gros connard. Ouais, un petit peu. À la 6ème place, Doux Québec sur Battlefield 3 va nous montrer, ça va pas tarder à arriver, le kill sûrement le plus improbable au monde. Il va tirer absolument au pif avec son tank et tuer un mec. Ah ouais, et qui a tiré? C'est Doux Québec hein, qui a tiré, enfin, c'est géant ce qu'il a fait. C'est un géant en effet. Non, c'est pas un géant, c'est géant. C'est pas grave, t'as pas encore le vocabulaire, ça verra. Hein, tu désespères pas? T'inquiète. À la 5ème place, Zlatan va encore marquer sur FIFA avec l'AOM qui va nous montrer le tir le plus long du monde, hein, quasiment de la moitié de terrain. Enfin c'est Zlatan j'ai envie de dire. Hein. Je peux le buter ce mec. Non sois pas jaloux, mais juste c'est pour un ami, hein. J'aimerais bien savoir ta méthode, comment tu vas faire. Le traquer, le trouver et le tuer. À la 4ème place sur Assassin's Creed, Puniel, c'est très bizarre comme bug, va nous montrer un garde qui se déforme, en plus il va nous faire avoir des ralentis, tout ça, c'est assez... Dégueulasse. Voilà, merci Stallone de me l'avoir dit, putain, c'est incroyable, mais c'est quand même pas sympa ce que tu dis, hein. Tu penses à lui, à ce qu'il vit au quotidien? C'est juste que j'aime garder mes distances. Bon, ça va alors.
À la troisième place sur Skyrim, Malkon va nous montrer un ennemi qui au début s'amuse à faire des tours de cheval, puis après va s'envoler. Enfin, c'est un ennemi totalement cheaté. C'est ça, Stallone, ça me rappelle l'histoire où on allait au parc et tout, et puis avec Bruce Willis qui nous... Mon pote, pitié, dis-moi que tu vas pas continuer cette histoire. Non, mais c'est tout, parce qu'après Bruce Willis, quand il est arrivé, il a commencé à te foutre par terre, et après t'as dû tuer le petit chinois et tout, qui nous regardait avec son ballon, là, ouais. Je l'ai déjà dit au moins 10 fois, j'avais pas le choix, sauf si ça t'amuse d'aller en tôle. Non, mais c'est pas sympa, mais... Bah on aime pas les chinois quand même quoi. J'adore les chinois. Ah, deuxième place sur Black Ops, The Dark Moth va nous montrer un hélicoptère, voilà, qui traverse une maison, bah ça arrive assez souvent. Moi je le fais tous les matins. Bah oui c'est ça. Non c'était une blague, hein, c'est pas grave, mais qu'est-ce qui t'arrive? Bon voilà, je te parle méchamment, je te respecte, mais voilà, faut arrêter. Moi aussi je te respecte les garçons. Et pour terminer ce top 10 en beauté, c'est vraiment un clip mais de meurtre incroyable sur GTA V. Kiklar, avec un pseudo très mal écrit, va nous montrer, voilà, en fait, il a tué un avion, et l'avion lui tombe dessus, ça le tue. C'est assez magique, je trouve. On dirait que quelqu'un a fait le ménage. Ah oui, oui, non, il a fait le ménage, puis voilà, le ménage lui est retombé dessus, ce qui prouve qu'il ne faut jamais passer le balai. Et toi, c'est quoi tes méthodes, déjà, pour faire péter tout ce que tu fais péter? On fait tout péter. Oh, tu fais tout péter. Donc, pour faire péter, faut faire... Ok, j'ai pas tout compris, on en reparlera après. Voilà les amis, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à le partager, à venir vous abonner à ma chaîne si c'est le cas. Écoute Sylvester, franchement, je sais que ça faisait au moins 4 mois que t'attendais de venir sur la chaîne, j'espère franchement que ça t'aura fait plaisir. N'hésitez pas les amis à voter pour le prochain invité, à remercier le vrai Sylvester Stallone qui était là en chair et en os à côté de moi, à m'envoyer tous vos clips pour le prochain top 10 What the fuck, LOL and Fail. Encore une fois, de gros merci à Infinity et à Shepard, voilà, qui me permettent de réaliser ce que je suis en train de réaliser aujourd'hui, c'est-à-dire d'être upload sur la Play Comedy Club, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, que dire Sylvester, franchement merci, même si t'as quand même réussi à péter 4 lattes de mon lit, vu ton poids, ça m'aura fait plaisir. Merci les amis, prenez soin de vous, à la prochaine, bye bye. Oui Sylvester, je voulais te dire, quand as-tu les nouilles, les niafous, ouais.